Alors bonsoir, pour Provence Plus TV, nous sommes ici au château d'Alphéran, sur les hauteurs de Puy-Ricard, au nord d'Aix-en-Provence. Et ce soir, eh bien, c'est un nouvel opéra, Purcell, Didon et Énée, qui va être joué en plein air ici, sous les cèdres de ce magnifique jardin. Et je suis entouré justement de Didon et de Énée qui vont nous rejouer une revisitation de ce drame antique qui a été revu par Purcell au XVIIe siècle. Bonsoir Didon. Alors vous avez un rôle clé, hein, puisque c'est le rôle principal de cette pièce qui est issue d'ailleurs de l'Énéide, de Virgile, hein, revue par Purcell justement. Comment vous vivez ces moments juste avant le spectacle ? C'est beaucoup de stress et en même temps, bon, on a tellement de choses à faire que les choses elles passent très très vite. Là, depuis 4 heures, on se fait pomponner. Donc, on le voit. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ce personnage qui est quand même très tragique ? Qui meurt par amour, qui meurt d'amour, comment vous voyez les choses ? C'est un personnage très très complexe. Disons qu'elle elle passe du tout au tout. Au départ, elle est assez mélancolique. Finalement, elle va se laisser porter dans les bras de Énée, encouragée par sa sœur Belinda. Et puis bon, là, lorsque Énée lui dit qu'il doit la quitter pour construire Troie, c'est le drame complet. C'est le drame antique, l'amour ou l'honneur. Hein. Voilà, exactement. Et elle ne supporte pas rien que l'idée que son amant puisse la quitter. Et du coup, elle se tue. Alors, Énée, bon, au-delà de cette tragédie, il y a quand même un travail vocal. Hein. On est quand même là entre artistes, c'est-à-dire que vous allez quand même chanter un opéra. C'est la première fois que vous exercez en plein air ? Non, j'ai eu l'occasion déjà de chanter en plein air, mais rarement quand même dans une acoustique aussi parfaite. Donc normalement, quand on chante en plein air, il y a souvent des micros. Mais là, l'acoustique de ce lieu est tellement exceptionnelle que même sans micro, même les jours de Mistral comme hier soir, on n'a pas besoin de micro, ça passe très bien, on entend toutes les voix, l'orchestre aussi, c'est assez idéal. Alors justement, je reviens quelques instants sur cet amour difficile, impossible avec Didon. Quelle analyse vous faites de ce texte qui est très exigeant, plus sur un plan philosophique ? L'œuvre mise en musique par Purcell est assez courte, résumée. Alors ça se passe vraiment, ça tourne autour de cette difficulté psychologique qu'a Didon à se donner à un homme. Ce qui est valable à toutes les époques. On a cette situation aussi dans un autre opéra qui est Turandot de Puccini, où Calaf, le ténor, doit vaincre sa fragilité. Didon a peur de se donner. Je pense qu'Énée, quand il vient sincèrement parce qu'il l'aime. Il l'aime sincèrement. C'est un personnage sincère, très simple, un héros. Il est toujours au premier degré. C'est-à-dire quand il dit quelque chose, il le pense, il n'y a jamais de second degré. Peut-être trop pur ? Il va faire du mal sans le vouloir ? Ah oui, je pense totalement. Et elle, elle incarne cette méfiance féminine à l'égard de l'homme, l'homme qui est souvent amené à partir. Là, il est amené à partir par la volonté du dieu Jupiter. Il doit retourner au combat. Il lui explique sincèrement qu'il doit partir, mais qu'il l'aime. Il part pas par désinvolture ou par légèreté. Mais parce qu'il est vraiment appelé par Dieu et c'est pour lui-même une violence de devoir partir. Et alors là, sa réaction à Didon des extrêmes, complètement hystérique même on peut dire, parce que se sentant abandonnée, elle se tue. Alors là, c'est un vrai cas de pathologie psychiatrique, c'est vraiment ce syndrome de l'abandon. On va le ressentir ? Est-ce que sur scène on va la sentir, la pathologie ? Ah oui, c'est le désespoir total, simplement parce que Énée s'en va. Alors qu'il lui a dit qu'il revenait. Mais elle se sent trahie et tellement désespérée qu'elle se tue. Elle se tue, vous vous rendez compte ? En fait, Énée l'a échappé belle. Parce qu'avec une femme comme ça, la vocation première de ce festival, je crois, c'est d'abord né en fait, du travail de Philippe Casado, le père d'Éléonore et de Gaëlle, et le directeur du festival, qui est notre professeur de chant à tous. Il y a des jeunes qui ont 16 ans, moi j'ai 32 ans, je suis revenu dans la région pour travailler spécialement ma technique avec lui. Et donc ce festival c'est aussi une manière de montrer le fruit de cet enseignement. Le résultat c'est qu'on voit des jeunes de 16, 17 ans qui chantent déjà très 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 bien, qui sont déjà des professionnels, alors qu'ils étudient le chant depuis très peu de temps. Donc
C'est pour ça, par rapport à ce qui se passe au Festival Lyrique d'Aix-en-Provence, qui est quelque chose d'énorme, d'international, on est dans une autre dimension, mais je crois qu'on peut prétendre, sur un opéra de ce format, dans ce lieu assez magique, faire quelque chose qui est vraiment très beau, très professionnel et qui certainement ravira complémentaire. Les gens de la région. Et complémentaire, puisque nouveau. C'est le moyen de promouvoir des très jeunes artistes et aussi un enseignement. Et c'était certainement l'enseignement, enfin à notre époque, certainement manque un enseignement des écoles de chant. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus. Alors là, c'est un peu ce qui est en train de naître sur différents niveaux, une école de chant, un festival. Et puis peut-être plus tard d'autres projets. Alias Cupidon, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors ici, c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis un certain temps. Hein. Vous nous avez parlé de ce Didon et Aîné depuis le mois de février, si ma mémoire est bonne. Alors Cupidon, quel rôle joue-t-il particulier dans cette pièce? Alors justement, Cupidon, c'est un dieu sensible qui apporte l'amour, mais qui pour moi fait des erreurs quelquefois et qui lui aussi, malheureusement, sa tâche est tellement compliquée qu'il n'a pas forcément le temps de recevoir l'amour pour lui. Donc ce Cupidon est quelqu'un de très sensible, solitaire. Jaloux ? Pas forcément jaloux, mais finalement il fait des erreurs dans cet opéra. Et il reconnaît ses erreurs et on sent justement cette sensibilité d'un semi-dieu qui essaye de semer l'amour mais qui n'y arrive pas. Il n'y arrive pas forcément. C'est un moment très magique, justement, où mêler la danse, les arts du corps, si je pourrais dire. Donc c'est assez riche, justement, d'utiliser les outils corporels et pour la danse et pour la musique, et lier ça pour la bonne cause, je dirais, dans un cadre très exceptionnel. Oui, avec des partenaires, avec un public qui est là, hein, on sent déjà qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas, on vous souhaite une belle carrière de Cupidon ce soir, hein, un peu furtive. Hein, mais vous continuerez, je pense, le travail de la voix, qui est une de vos passions. Oui, aussi, je suis au conservatoire d'Aix-en-Provence, en chant lyrique et en chant jazz, ce qui me permet de me familiariser avec justement ce milieu et de ressentir et de percevoir les attraits que peut-être certains chorégraphes laisseraient de côté. Alors nous sommes avec Madame Debord et puis avec des membres de sa famille et puis aussi avec la direction artistique du festival. Madame Debord, vous allez nous présenter en quelques mots l'histoire de cette extraordinaire propriété ici, le château d'Alphéran. Vous êtes une des gérantes de la SARL Château d'Alphéran, puisque c'est un lieu qui accueille un certain nombre d'actions, de manifestations tout au long de l'année. Bonsoir. Quelle est l'histoire, rapidement, et la vocation de ce lieu absolument magique? Alors l'histoire, c'est une maison dont la partie la plus ancienne date du 18e. Elle a été ensuite remaniée à différentes époques, ce qui fait qu'elle a un style un petit peu atypique, mais le centre est une bastide provençale. C'est une maison qui s'est transmise, qui a toujours été dans notre famille, mais qui s'est transmise par les femmes. Et donc nous l'avons eue par notre grand-mère paternelle. Et c'est une maison avec mes 6 frères et sœurs que nous essayons de garder. Nous en avons donc fait une société pour exploiter le site, le faire partager aussi, parce que c'est un plaisir de le faire partager. Le faire vivre et le partager. Voilà. L'animer. Et tout à fait. Et donc ce festival lyrique est une des occasions qui nous permet de réaliser ce postulat qui nous tient à cœur.
Et donc ce soir, c'est donc une soirée de festival grâce à Monsieur Cassado qui a pris contact avec nous dans le courant de l'hiver et avec lequel on a petit à petit cheminé et où on a eu beaucoup de plaisir à accompagner son courage et son projet. Au départ, je suis un ténor, un chanteur d'opéra où j'ai fait une carrière internationale où j'ai chanté un peu partout. Et après ça, j'ai voulu me consacrer tout d'abord à ma fille, que je lui ai travaillé la voix techniquement, parce que j'ai fait des études à la Scala de Milan, pour me préparer, moi, en tant que chanteur. Et là, tous les jeunes chanteurs que vous allez voir ce soir, ce sont mes élèves. Ce sont mes élèves, le chœur et les solistes. Pour l'année prochaine, on compte faire une Carmen. Après Orlando Furioso de Vivaldi. Après on compte faire aussi deux concerts, un de Zarzuela espagnol et un concert russe parce que j'ai aussi des élèves qui viennent de Moscou travailler avec moi. Carlos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef d'orchestre de cette belle opération Didon et Aîné sur une partition de Purcell ici au château d'Alphéran. Quels sont vos premiers sentiments ? Bon, déjà, l'endroit est magnifique, très propice pour un spectacle de ce genre. Et le fait que ce soit fait par des jeunes musiciens avec beaucoup de talent est une superbe motivation. C'est quelque chose que vraiment donne envie de faire le travail. L'orchestre est de très bonne qualité, des professionnels en musique baroque avec des instruments anciens. Et pour la sonorité particulière pour l'époque où l'opéra a été écrite. Parlez un peu de vos musiciens. Qui sont ces jeunes gens là, qu'on voit en train de s'essayer sur leurs instruments? Bon, ça fait partie un peu du boulot du chef, c'est avoir un peu, on va dire, un réseau. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on contacte. Il y a au moins 5 qui viennent de Bruxelles, au moins 2 qui viennent de Paris, 2 qui viennent de Toulon. Et on se rapproche d'Aix. Proche d'Aix, c'est moi. Tout simplement. Tout simplement. Non, parce que le monde de la musique ancienne, c'est-à-dire les gens qui sont spécialisés en instruments anciens, cordes, boyaux, archets baroques. Ouais, c'est très particulier. C'est très particulier et la formation de ce domaine, c'est plutôt vers le nord de la France, même s'il y a des conservatoires au sud qui se consacrent un peu aussi à cet style particulier. Stéphane Lafaille, bonsoir. Bonsoir. Metteur en scène de ce Didon et Aîné de Purcell en plein air. Alors, ça vous fait quoi? Ah ben c'est merveilleux. Et puis, homme de théâtre, vouloir un petit peu toucher le monde de l'opéra m'apporte beaucoup et je pense que j'apporte aussi pas mal à la troupe de chanteurs. Oui. Alors, on est quand même dans une propriété qui est assez particulière. Hein. Cette espèce de cour immense, c'est une scène naturelle finalement. Tout à fait. D'ailleurs, on utilise le château comme un élément de décor. On verra des chanteurs à la fenêtre tout à l'heure. À la fenêtre, au balcon. Et on va faire vivre aussi les espaces murs et tours qui sont vraiment de très jolis espaces.
Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme contrainte? Vous vous êtes installé ou il y a quand même eu des contraintes à gérer? Quels ont été un peu les éléments à contourner ou à transformer un petit peu? Quel était votre regard sur ce lieu magique? Mais quand même, quand on est dans le spectacle, il y a des contraintes. Toujours, comme dans la vie hein, d'ailleurs. Pareil. Et on s'adapte tout le temps. Non, les contraintes, quand on a dans la tête des espaces et qu'il faut après les réaliser dans un décor naturel comme celui-là, ben, on s'adapte. Et les contraintes, c'est la lumière du jour qu'on a assez long dans le spectacle. Et puis après, l'espace scénique qui n'a pas été comme on l'avait pensé au départ. Donc il a fallu modifier pas mal de choses. Alors, de belles équipes techniques, des jeunes musiciens, des jeunes chanteurs, avec Philippe Cassado, un développement de talents nouveaux ici. C'est vraiment le début d'une belle aventure, non, tout ça? Ah, c'est extraordinaire de travailler avec de jeunes talents. Il y a encore plein d'énergie, plein d'envie, de créativité. On n'est pas encore bloqué dans des certitudes et on a envie d'évoluer, quoi. Président départemental de la Croix-Rouge, et puis François Millet qui s'occupe de la relation, communication et presse de cette délégation. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors vous êtes ici au cœur de ce beau spectacle Didon et Aîné au château d'Alphéran. Que fait la Croix-Rouge ici? Eh bien, nous sommes en partenariat donc avec la troupe de Philippe Cassado, où nous sommes très heureux de partager ces grands moments de festival. Et ces deux soirées donc Didon et Aîné que nous allons participer ce soir et surtout apprécié. Et demain soir, le récital sera donné aussi par la même troupe de Philippe Cassado au bénéfice de la Croix-Rouge départementale. Alors, au bénéfice notamment pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer, sur laquelle la Croix-Rouge a des projets importants. Exactement, nous allons justement ouvrir à partir de septembre, à Marseille, un centre Altérapie Alzheimer non médicalisé, qui va être ouvert donc à la population du 4e arrondissement de Marseille, où nous avons l'idée aussi de faire partager ce service aux Marseillais et d'étendre ces services dans d'autres arrondissements, et pourquoi pas à Aix. Mais c'est un service tenu par des bénévoles, mais des professionnels bénévoles. Alors, une grosse partie de la délégation est là, est venue soutenir. François Millet aussi. Bonsoir François. Vous êtes vraiment en charge de la communication de cette opération. Quel caractère un peu nouveau pour la Croix-Rouge ce soir ici, dans le cadre de cette action? Le caractère nouveau, c'est que c'est une équipe qui est venue chercher la Croix-Rouge, qui a voulu que la Croix-Rouge s'associe à leur manifestation et qui a fait don d'une dernière journée pour les œuvres de la Croix-Rouge. Ils savaient que la Croix-Rouge a toujours besoin d'argent. Et le projet départemental d'installer des maisons relais alt-répit Alzheimer dans les Bouches-du-Rhône donnait l'occasion d'affecter directement les bénéfices de la soirée, donc de demain soir, à cette maison de l'Alzheimer de Marseille.